Ah, il masque la gaz, monsieur, on sait pas si vous êtes journaliste. Moi, je suis journaliste. Vous avez votre carte de presse? Ah, j'en ai pas de carte de presse comme à peu près 50% des journalistes. Bah ouais, donc votre masque à gaz, monsieur, vous allez me le donner? Ah non, je vous le donne pas. Bah si, monsieur, vous avez une question. Est-ce que vous avez... Oui, j'ai une plaisanterie. Est-ce que vous avez, je sais pas, un arrêté préfectoral, quelque chose qui interdit le port? Il y a eu des actes violents, il y a eu des... Oui, non, mais je veux dire, au niveau de la loi, est-ce que vous avez quelque chose à me dire à ce propos? Ce que j'ai à vous dire, monsieur, c'est que là, il y a eu des violences commises sur des policiers, d'accord? Donc on, s'en prend aux journalistes? Monsieur, je vous demande si vous avez une carte de journaliste, vous me dites que non. Bah oui, mais je vous dis qu'il n'y a, bah, a pas besoin d'une carte de journaliste pour être journaliste en France. Bah si, monsieur. Bah non, je vous la prends, c'est pas une profession réglementée, non, on n'est pas en Corée du Nord. Monsieur, commencez pas, donnez-moi votre... Mais je commence pas, mais non, je vous le donne pas. Monsieur? Non, si vous me confisquez, vous me donnez une raison légale. Enfin, bah, je veux bien respecter la loi, mais il faut que vous la... C'est qu'il y a des jeunes... Mais c'est pas la loi, ça. Mais c'est pas la loi. Bah non. Bah bougez pas, je vais chercher mon patron. Non, c'est pas les masques à gaz, c'est seulement les masques à gaz intégraux qui sont interdits. Ceux-là, ils sont autorisés. Il n'y a rien qui l'interdit. Vous savez nos moyens de... Pour nous, les policiers, qu'est-ce que c'est? Pardon? Les CRS. Oui. Et les compagnies d'intervention, qu'est-ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est. Le gaz. Oui. Si vous avez ça, ça montre nos moyens de défense. Et quel est le problème? Vous n'avez pas apporté ça. Mais pourquoi? Parce que nos moyens de défense, c'est le gaz. Ça n'a aucun sens. Les journalistes ont le droit de porter ça comme n'importe qui. Vous avez une carte de presse alors? Non, non, j'ai pas de carte de presse. Ça fait. Ouais, je suis journaliste, ça fait. Une carte de presse alors? Bah non, il n'y a pas forcément de carte de presse. Ça fait 2 ans que j'exerce. J'ai pas encore la carte de presse parce que mes revenus sont pas suffisants, c'est tout. Bonjour. J'ai pas de carte de presse. Comme 50%. Non, je vous le donne pas. Vous pouvez le prendre alors? Bah, essayez de le prendre. Pourquoi vous faites ça? Vous respectez pas la loi? Vous respectez pas la loi! Je vais vous donner mon matricule. Non, mais non, je m'en fous de votre matricule. Ah! Arrêtez! 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 Vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit! Aïe! Vous n'avez pas le droit! Bah non, monsieur, vous savez ce qu'on fait? Vous n'avez pas le droit! Regardez mon matricule, il est là. Je m'en fous, ça sert à rien, il s'y paye, il s'en fout. Et vous déposez plainte. Ah oui, je déposez plainte contre vous. Ouais, c'est vrai. Votre matricule? Allez! Ça vous fera une plainte puisque vous êtes des camants pour un masque à gaz. Comme ça, je pourrai porter plainte pour vol. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune loi qui vous autorise à faire ça. Ouais. C'est bien mon garçon. Vous avez pas honte? De quoi? Bah d'agresser journaliste. Ah, vous êtes pas journaliste, vous avez pas de carte de presse. Voilà. C'est un état de nécessité qui justifie mon action, monsieur. Mais il n'y a pas de loi qui justifie ça. Bah, l'état de nécessité, c'est dans le code pénal, monsieur. L'état de nécessité? L'état de nécessité, vous irez voir. D'accord. Mais sinon, moi je porte ma plainte si vous excusez de ce que vous avez fait. Non, hein, c'est bon. C'est illégal, monsieur, je fais mon travail, je vais pas m'excuser. Comme vous voulez. Ça, vous avez vu, moi je suis un honnêteur, moi j'ai donné mon matricule, je suis très sûr. Hein. Mais en même temps, vous savez très bien que vous allez jamais être condamné. Mais non, parce que j'ai pas commis d'infraction, monsieur.